Salut à tous, c'est Lézard Poète. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'en a pas fait, je crois que ça fait 2-3 semaines, si je me souviens bien. Du coup bah désolé. Donc là il est actuellement 2 h du matin, donc c'est pour ça que je parle doucement. En plus, je suis fatigué. Alors, oui, j'ai fait plusieurs combats amicaux avec pas de moustache. Donc, je vais vous le montrer. J'ai perdu surtout parce que forcément, je n'arrive pas à trouver de bon deck. À part en combat en ligne contre lui, j'ai pas de bon deck. Bien sûr, il est niveau 10, ça ne pas. Hein. Regardez, il a déjà le mineur, il a ça, ça. Moi, j'ai pas ça. Hein. Donc voilà, déjà il met la main hein, très facilement. Justement, les combats amicaux, parce qu'on a essayé de faire une vidéo ensemble, mais j'avais utilisé la Power Soft et j'ai oublié que on n'entendait pas la personne avec cette application. Du coup, bah, il faudrait que la prochaine vidéo sera avec Mobizen et puis voilà, et ça ira mieux. Donc voilà, là déjà il m'a mis la tôle. Hein. Voilà. Hop. On met à deux. Moi j'ai fait même pas une couronne. Donc voilà. Attendez, est-ce que c'est... Ah oui. Donc voilà, il m'a gagné. Hein. Attendez, avant de regarder les autres. Allez, faut que je vous montre quelque chose. Mes combats, alors attendez. Cette carte, vous voyez, donc c'est celui qui peut lancer des haches comme un boomerang. Voilà. Bah, j'ai même pas lu et je l'ai dit ça. Donc. Sur Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux, ils ont Supercell à demander, enfin, truc Clash Royale et Clash of Clans, ils ont demandé à si cette carte devait être enlevée ou pas. En raison très simple, hein, c'est que de partout, mais quand je vous dis de partout, tout le monde s'en sert. Que ce soit combat amicaux et tout ça, ils s'en servent toujours et ils trouvent que justement à cause de ça, eh ben. Ils pensent qu'à cause de ça, ils arrivent facilement, trop facilement justement à gagner. Et ils se demandent s'ils devraient l'enlever ou pas. Et du coup, il y a beaucoup de suppositions. Il y a beaucoup de sondages et tout ça. Et pour l'instant, c'est pas clair. Ensuite, il y aura beaucoup de mises à jour. Donc, ceux qui sont sur Clash of Clans. Ben, il y a des troupes de Clash Royale apparemment qui vont venir là-bas. Quoi, je sais pas. Ah si, je vais lui montrer après l'attaque, mais normalement il y a. Bon, c'est pas des troupes. Bien sûr, comme le prince ou quoi. Hein. C'est toujours pour rester dans le contexte de Clash of Clans. Il y a quoi? Truc barbe. Oui, il y aura peut-être Barbare Elite en troupe genre élixir noir. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Ah, les temps de pause, c'est parce que j'ai réfléchi en même temps que je suis fatigué. Oh là 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 là, je sais pas du tout. À la vérité, je suis fané. Putain. Lui est en train de me mettre l'amende. Ah mince. Ah, je sais pas du tout. Ouais, il y aura bah, du coup Barbare Elite. Enfin, c'est plein de suppositions comme dans les vidéos de Bafa. Il y a eu des trucs comme ça. Et ce qui laisse à supposer, je pense que oui, c'est dans lui. Ce qui laisse à supposer qu'en fait, il y aura peut-être des.
les tours là qui sont en haut à gauche et en haut à droite, peut-être qu'il y aura des remparts autour, justement, ce qui ferait un peu plus de trucs apparemment. Bon, je vois pas l'intérêt, mais apparemment il y aurait ça. Je trouve ça un peu nul de leur part parce que pour moi ça niquerait ça, ouais, ça gâcherait tout le jeu. Donc j'espère pour autant qu'ils vont pas faire ça. Bon, enfin, on verra bien. Nous sommes des gens à surprise. Donc j'ai vu que pas mal d'entre vous ont regardé le live et ça m'a fait plaisir. Hein. Du coup, je pense en faire plus souvent. Plus souvent, c'est-à-dire, ouais, on va dire, allez, 2 à 3 maximum par semaine. Ensuite, là, vous avez vu un genre de top 10, sauf que c'est que sur un auteur. Je ferai peut-être un live sur Clash Royale parce que j'en ai fait deux suites sur Clash of Clans. Du coup, il faudrait que ça fasse équilibrer un peu comme ça. On passe du temps ensemble sur l'un et sur l'autre. On va bien voir. Ah, j'en étais sûr qu'il a envoyé une grosse troupe vu qu'il mettait du temps là. Qu'est-ce que je peux faire encore? Après rien d'autre, hein, je reste toujours sur mes habitudes. Peut-être dans pas longtemps, je pourrais essayer de faire une vidéo sur PC. Il me reste plus qu'à acheter tout carrément tout le pack de Movavi Capture Studio ou un truc comme ça. Je crois que le pack il vaut 40 ou 60 euros. Et puis et après c'est bon. Du coup après il y aura des vidéos sur Snow, un jeu de ski très particulièrement déjà la maniabilité du joueur en fait c'est pas tout à fait ça. Mais ça va quand même. On sait plutôt bien gérer. Il y a ça. Et après, il y a un jeu de guerre qui s'appelle Hero of General. Je vous en avais parlé dans des vidéos, mais il y a longtemps. Et ça vous avait plutôt plu. Donc, plutôt plu dans le sens qu'il y avait des gens qui connaissaient. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Allez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, déjà, il y aura ces deux jeux-là. Je vais essayer de faire des vidéos sur YouTubers Live. Il y a des YouTubers comme Marcus27500. Regarde un rage quit. Voilà, il a rage quit parce que j'ai détruit trop facilement sa tour. Oui, comme Marcus27500 ou encore le Blédard qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. Qui connaissait pas le jeu et qui a débuté. Enfin, il devait peut-être connaître ou quoi. Mais il vient juste de débuter. Voilà. Sur ça. Parce que c'est un jeu surtout que j'ai essayé chez des gens et qui m'a plutôt plu. Donc pourquoi pas l'essayer avec vous, hein, je pense qu'on tournera sur des vidéos autour de. Allez, on va dire. Une demi-heure à 45 minutes maximum. Sur Hero in General, ça tournera sur. Alors, comme les combats en plus ils vont vite, je crois c'est 5 à 10 minutes. On en fera peut-être 2 maximum. Parce que sachant que c'est super galère niveau stratégique, il faut y aller vite en fait. Et il faut avoir vite le réflexe. Du coup, voilà. Ouais, on va dire ouais, 20 à 30 minutes, on va dire. Ensuite, il y a quoi? Snow. Ça va tourner autour du. Sur du 10-15 minutes. Hein, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu. Voilà, c'est un jeu de ski banal. Hein, après, rien à dire de plus. À part. Quoi?
Bon, je crois qu'il y a des skis, il y a des compétitions. Bah, c'est un peu comme le jeu qui est sorti il y a pas longtemps, en fait, de ski. Je crois qu'il s'appelait aussi Snow. Non, attendez. Bah, je rechercherai. Mais en tout cas, ce. Voilà, ce j'ai essayé. Bon, moi perso. Voyez, ouais, le PC, c'est pas mon fort, en fait. Ça dépend les jeux, mais Snow, c'est pas mon fort, parce que surtout qu'il faut repérer les touches et tout, c'est un peu galère, parce que je les confonds avec Hero of Général. Comment dire, voilà, tourner, c'est facile, mais ce qui est de... Wow. 105... Ah ouais... Ah ouais. Ouais, ce qui est de tourner, c'est facile, la maniabilité, sauter aussi. Mais le plus dur, c'est faire les figures, les enchaîner, tout ça, donc voilà. Donc, on va aussi vous parler du concours, enfin, que je vais vous parler. Donc, je vais lire les gagnants du concours au mois d'avril en pleine vidéo avec... Je vais essayer de réunir Matelite, qui est encore... Matelite, il n'y aura pas de moustache, ça c'est sûr et certain. Lui, bah, peut-être un collègue à moi qui s'appelle Killgamer, vous pouvez aller voir sa chaîne. Bon, il a commencé il y a un an, il a fait que 4 vidéos pour 23 abonnés et presque 600 vues. Mais voilà, c'est... Ça pourrait être plutôt bien de... Comme ça, chacun est lire un gars. Donc, voilà, là, il y aura deux personnes qui pourraient être élues de Apple et deux de Android. Mais en fait, je fais ça parce que... Pour pas que je me trompe. Parce que imaginez, j'envoie une carte Android à un Apple, du coup, bah voilà, je pense qu'il se... Moi, je me sentirais mal à l'aise pour lui, et lui se sentirait mal à l'aise pour parce que peut-être qu'il fait ouais, si ça, enfin voilà, il va m'en vouloir. Du coup, voilà, je préfère faire le concours, mais de façon séparée en fait, de façon Android d'un côté, iPhone de l'autre. C'est sur un papier, je suis en train de finaliser tout. Donc, ça commencera par. Attendez. 6. Ouais. En fait, il y aura 2 fois 5. C'est-à-dire. Déjà, Clash of Clans. Je pense que je vais me baser en fait que sur Clash of Clans. Parce que sachant que Clash Royale, j'ai pas toutes les cartes et je me fais souvent avoir. On va se baser que sur Clash of Clans. Du coup, ça veut dire que. Pour en élire 2. Allez, pas de moustache et Matelite pourront m'aider sur des gros trucs. Attendez. Laissez-moi réfléchir. Ouais, ça va être ça. Du coup, il y aura en dessous de... Sachant qu'on... Ouais. Ah, punaise, attendez, là, j'ai un gros trou de mémoire ce que j'ai fait. Il y a HDV11 et tout. Sachant que Matelit il est HDV 9, si je me souviens bien, oui, 9 ou 10, ouais, c'est pas grave. Après, il y a Darkstar niveau 9. Bah, Matelit est vous le connaissez certainement par ses vidéos, mais il est aussi dans mon clan avec mon petit compte auquel peut-être fera des vidéos dessus. Attendez. Oui, c'est ça. Du coup, il y aura 5. Pourquoi 5 et pas non 7 ou autre? C'est pour faire 5 fois 4. Donc, on s'arrêtera à niveau 10. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, GG à toi. On s'arrêtera à niveau 10. Donc, ça veut dire que tous les gens en dessous de HDV 5. Et ben, ils seront dans une colonne. Tous les gens de HDV plus de 5, entre 5 et 10, seront dans une autre.
Du coup, il y aura deux colonnes de Android, deux colonnes d'Apple, et puis les deux finalistes d'Apple gagneront une carte chacun, et deux finalistes de comment ça s'appelle? Android gagneront une carte chacun. Donc après, j'espère avoir beaucoup de contacts. Déjà, j'en ai trois qui sont tentés. Je sais pas encore. Non, même quatre. Faut que je me renseigne encore sur leur type de mobile, s'ils sont plutôt Apple ou iPhone ou Android. Pour les gars et pour les cartes iTunes ou Google Play. Bon, la somme, je vais pas y mettre 50 euros non plus, donc ce sera des cartes de 10 euros. Donc voilà, ça vous fait un petit jeu ou un truc sympa, musique ou autre. Assez sympa, donc voilà. Je peux pas y mettre des millions non plus, mais voilà, c'est histoire de vous faire plaisir, de me faire plaisir à moi, parce que j'aime bien le fait de faire plaisir à offrir. Donc voilà. Alors, là normalement vous verrez que avec la nouvelle application de montage, ce sera ma première vidéo dessus parce que j'ai fait ma nouvelle intro dessus, mais j'espère que ça va bien faire. Normalement ce sera mieux fait en fonction de la vitesse de développement et par rapport à la qualité. Donc voilà. On peut gagner, on peut faire au moins une étoile pour voir le coffre. J'aimerais bien gagner une carte légendaire avant de finir cette vidéo. Ça serait trop cool. Là, je rêve juste d'avoir le Zappy ou le bûcheron, le géant là, avec le canon que vous avez vu en au début. J'aimerais bien avoir au moins une carte légendaire en fait, parce que ça fait un bail, malgré que je vous fais pas de vidéo sur Clash Royale. Ça fait vraiment un bail que j'avais pas eu de carte légendaire et du coup ça me saoule vraiment. On peut pas dire qu'après, voilà, on peut pas dire qu'après c'est comme ça, mais les gens me conseillent d'appeler Supercell à cause de ça. D'autres me disent vas-y laisse faire, de toute façon c'est rien, c'est le jeu qui est comme ça, c'est aléatoire. Du coup moi je sais pas en fait. Soit j'appelle Supercell, soit je fais rien, donc allez dans ce blé, non? Ouh, oui! Oh, égalité. Sachant qu'on va pas gagner. À moins qu'il renvoie sa roquette là. Donc voilà, je pense pas appeler. Ouais, bah c'est mort. Je pense pas appeler Supercell parce qu'ils vont me prendre pour un con, je pense. Ils vont dire oui, qu'est-ce qui. Quel motif d'appel appelez-vous et tout ça. Si je leur. Ouais, pourquoi je gagne jamais de légendaire? Attention. Voilà. Vous avez vu, je gagne pas de légendaire. Oui, pourquoi je gagne pas? Ils vont dire, mais c'est quoi ce gamin et tout ça? Et du coup, ils vont me prendre pour un con, voire quelqu'un de pas normal. Donc, putain, y a plein de cartes que j'ai améliorées et que je me sers même pas. La tour à bombe, ça. Ah là là là. Bon bah voilà. Je vous mets comme ça. Donc si vous voulez rejoindre le clan, allez-y, hein, c'est ouvert, 1200 trophées. Pardon, ça retombe à zéro ceux qui ont fait 40 dons. Donc ouais, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis ça... Non, 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 non. Oh, allez, 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 allez. Salut!